Yeah, I'm George Land, Senior Vice President of Strategy and Operations for NBA Africa. So this is a historic moment for us because we've had NBA Academy showcases before, but never on the continent. And we have so much talent here on the continent, and for us to be able to bring over other teams for them to compete against, and then have college scouts and professional scouts and NBA scouts to come check us out, this is phenomenal. It's like a dream because these kids, they need to be seen and they need a chance because they're super talented. And sometimes, you know, we here are far away from everybody else. So to be able to bring, you know, the talent all together to compete against each other, and then for the scouts and professionals to see, you know, this level of talent, it's been great. On a eu plusieurs événements à l'NBA Academy, mais on n'a jamais eu vraiment un événement pour tout le continent d'Afrique. Et on le voit maintenant avec tous les gens qui sont venus. Et les scouts, c'est-à-dire les gens qui sont venus, les recruteurs pour les universités, sont venus regarder. Et je crois que c'est vraiment important que les jeunes voient, que tous les recruteurs voient les jeunes, parce qu'on a beaucoup de talent en Afrique. Mais la première chose qu'on doit avoir, c'est tous les yeux des autres pays pour venir voir les jeunes en Afrique. C'est la première chose qu'on doit avoir pour les jeunes. So what do you expect from this? Well, I expect to see high-level basketball, first of all. I think all the kids have been training very hard for years. And I think if you've never seen them play, you're in for a treat. These guys can really, really play. So the first thing I expect is really high-level basketball. Played well and played fairly. You know, one of the things that we talk about in our academies is, you know, the other things, such as, you know, how you play the game, you know, respect for the game, those kind of things. You know, being able to be accountable for your actions. So I think you'll see that from our players as well. So you'll see things on the court in terms of talent. You'll also see, hopefully, kids that play the game the right way. La première chose qu'il a dit, ce que vous devez attendre pour cet événement, c'est le basket de haut niveau. Ça, c'est la première chose qu'il attend. Vous allez voir du basket de haut niveau. Et pour tous les talents qu'on n'a pas, qui n'ont jamais eu cette conservation de tout le monde, vous allez voir du haut niveau, vous allez voir du talent. Mais vous allez aussi voir les valeurs de l'NBA Academy en train de mettre sur ce jeu. Le fair play, pas seulement comment bien jouer, mais la bonne façon de jouer, le fair play. Le caractère et toutes les valeurs que l'NBA Academy veut mettre, pas seulement sur comment shooter et comment jouer, mais comment agir sur le terrain. Donc c'est le haut niveau, mais c'est aussi le fair play et les valeurs qui sont en train de se faire à l'NBA Academy. Comment leur est venue l'idée d'organiser ceci? D'habitude, surtout que d'habitude, c'est bien pour So the first question, whose idea? So we have a team of people who work with the NBA Academy program. And some of those are in New York, and then of course, all across the world. So we've been doing showcases for a while. I'm not sure where the idea started from, but I'm sure it was internally with our NBA Academy team, the group team. The idea to bring it here is that we're always traveling to the U.S. and it's a really good chance for our kids to experience something different, so it's great, and they can see different levels of basketball. But just as important, it's good for the rest of the world to come to Africa because we have a story to tell, and it's a good story. And that story is around the development of kids and future leaders. And it's not just on the basketball court. It's
it's through a lot of different things. So to be able to bring people from around the world to our academy, know that they're going to have the real high level competition, but still then also get to experience the story of a little bit of a story of Africa. We think that that's important and good for everybody. Thank you. Bon, pour la première question de d'où l'idée provient, il a dit que l'NBA Academy a vraiment une équipe qui met en valeur et qu'il y a beaucoup de personnes importantes pour pour l'NBA Academy partout dans le monde. Et il croit qu'il n'est pas encore, il n'est pas sûr l'idée vient d'où, mais il sait que c'est internellement, dans son équipe, une personne déqualifiée. C'est un mélange d'idées qui est fait. Et pour la deuxième question, c'était pourquoi c'est important que, bon, de venir ici, que les gens viennent ici au lieu que l'Afrique parte là-bas. Parce que là, nous, vraiment, pour les jeunes d'ici, ils ont tous une histoire à raconter. Ils ont tous quelque chose d'important à apporter au monde. Et c'est pas toujours évident d'amener ça dans les autres pays. Donc c'est important que les autres pays viennent, et voient nos histoires, voient nos talents, et voient nous écouter. Parce qu'il a dit que les gens ont vraiment des choses à manquer, et pas seulement au niveau de basket, mais aussi des histoires à manquer. C'est pas toujours évident d'amener ça là-bas, donc ils veulent que les gens viennent et voient leur histoire, écoutent les histoires, et aussi comprennent le contexte du monde. Merci.